politique à l'inverse, Emmanuel Macron, contre lequel on vous entendait parler de façon assez dure à l'instant, c'est le pire candidat pour vous ? Ben non, c'est un candidat intéressant de second tour parce que c'est vraiment l'inverse. C'est le mondialisme incarné. Bon, c'est la poursuite du hollandisme, mais plus assumé encore, avec vraiment toutes les banques derrière. Enfin, c'est vraiment une incarnation. Moi, j'ai vu son bilan ministre de l'économie de François Hollande, déjà, qui est quand même franchement mauvais. Mais en plus, son programme, je vois la disparition d'un département sur quatre. C'est la proximité qui est attaquée, la ruralité qui est attaquée. Je vois une augmentation de la CSG pour tout le monde. 1,75 points, c'est quand même massif. Une baisse de taxes d'habitation aussi pour une partie. Alors, une baisse de taxes d'habitation, et quand on lui demande comment il finance, il répond c'est l'État qui prend en charge. Alors, ça me fait penser à François Hollande, c'est l'État qui paye. Ça veut dire qu'on reprend d'une autre main. Enfin, l'État, vous comptez aussi sur son rôle au Front National. Oui, mais quand on annonce une baisse massive d'un impôt, il faut le financer. Sinon, ça veut dire que c'est une promesse en l'air. Ou alors, si on dit simplement c'est l'État qui finance, l'État, il ne va pas créer comme cela de la monnaie, il va le prendre ailleurs. Donc, il va prendre sur le pouvoir d'achat. Vous dites ça, Florian Philippot, au Front National, que c'est pas l'État va pas créer la monnaie comme ça? Non. J'ai cru comprendre que le Front National avait une grande foi justement dans la capacité de l'État à créer de la monnaie, à relancer une économie par la création de monnaie, y compris en sortant de la zone euro telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais qu'on puisse financer de la dette par de la monétisation, c'est ce que nous réclamons depuis des années. La BCE s'y est mise d'ailleurs, on le fait maintenant chaque année, chaque mois, les quantitative easing, etc. Absolument. Mais ça c'est autre chose. Mais ça n'empêche qu'il faut faire, il faut toujours trouver des sources de financement. Quand nous proposons une prime de pouvoir d'achat pour tous les revenus retraités et salariés inférieurs à 1 500 € par mois, elle est financée par une contribution sociale à l'importation. Quand on dit qu'on va lutter contre la fraude sociale, contre le coût de l'immigration, le coût de l'Union européenne, c'est pour financer des choses ou c'est pour réduire la dette. Il faut avoir des équilibres, sinon on est dans l'incantation. Alors je vois que la politique de M. Macron risque d'être très dure et très injuste parce que dans le même temps, il veut baisser les plus gros ISF. Il veut détaxer les ISF sur le capital financier, c'est-à-dire les très gros ISF. En assouplissant aussi l'impôt pour beaucoup de catégories moins favorisées. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'avoir répondu à nos questions.